il fait ça? Le chien est fou. Alors, je retrouve aujourd'hui. Ah oui, j'ai déjà. On va faire plutôt. Je retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur cette toile. Ouais, j'ai peut-être un peu beaucoup. Oh, c'est pas grave. Oui, il fait nuit, hein, autour de moi. Les lumières d'allumer. Voilà, on est pas mal. On se retrouve pour cette toile que je débute en retard. Mais c'est pas grave, hein. J'aurais tout fait de rattraper l'été arrivant. Donc, j'ai commencé la rose du mois de juin, qui est absolument superbe. Oh, j'ai hâte de faire le lys. C'était la fleur de mon mariage, le lys. J'ai adoré. Je sais pas si j'arriverai à trouver une bouquet de mon mariage. Une photo du bouquet de mon mariage, parce que lui, en l'occurrence, depuis 15 ans, le pauvre, il est défraîchi. Hein. Mais ouais, c'était la fleur de mon mariage. Alors, on y va pour les roses. Pour la rose en l'occurrence. Alors, je l'ai commencé. Vous voyez, je vous montre ce que j'ai déjà fait et puis après, je vous zoome. Donc, j'ai fait toutes les petites feuilles. Tout le vert est fait. Il me restera le point arrière. J'ai fait le rose foncé, c'est ce que j'ai fait en premier. Le rose tout pâle dernièrement. Et là, on est sur le rose moyen. Elle va être superbe cette rose. Voilà, je vous ai zoomé. Alors, c'est une toile. Ah oui, ça va être pratique. Tiens, mes pinces. Je vais faire que je me décale. Voilà, on devrait pas trop mal s'en sortir. Comment ça, vous voyez rien? Vous faites aucun effort. Tac. Voilà, moi je suis pas mal. Vous êtes pas mal. On est pas mal. Tu veux pas souffler comme un bœuf pendant tout le temps? Il fait pas si chaud que ça dans la maison. Il fait très chaud. Dehors, tout ça, il fait très très chaud. On transpire à mort. Il fait très chaud, très lourd. Mais en même temps, on voulait un peu de chaleur. Ben maintenant, on l'a, on va pas se plaindre. Hein? Faut pas déconner quand même. Donc on est encore au mois de juin. Nous sommes le 27 juin. J'ai grand espoir de l'avoir fini au plus tard dimanche, puisque là on est jeudi, il y a moyen. Ah, j'ai le hoquet. Bon, en fait, il me reste deux couleurs à faire. Là, on va avancer celle-ci et je ferai l'autre ce soir. Je me demande si je peux pas vous décaler. J'essaie de faire au mieux. Ouais, comme ça, vous voyez bien. Et puis. J'arrêterai de vous taper parce que vous êtes juste à côté de ma joue en fait. Et que, ben voilà, après moi je tape, je tape. Non, il fait très chaud. Ah, il y a un petit peu d'air, ce qui fait que ça limite la sensation de chaleur. Et j'ai un élève. Tout à l'heure, je vais le récupérer dans la cour de récré hein, avec le reste de sa classe. Tout en noir, avec une capuche en plus. J'ai regardé, j'ai. Mais où est le cerveau? Les filles de la classe m'ont regardé et m'ont dit, non mais cherchez pas madame, le cerveau il a cramé avec le reste. Ah ouais, ok, je comprends mieux. Mais pauvre gosse, pas pauvre gosse, c'est un gamin de quatrième. Le petit doit faire 1,90 m quoi. Ouais, peut-être pas quand même, non, 1,85 m à peu près. Il est grand, il est très très grand. J'ai regardé, j'ai dit, mais si j'étais ta mère, jamais de la vie, je t'aurais laissé sortir comme ça. On dit, ouais, mais elle n'a pas vu. Si tu veux, je l'appelle. Non, il n'a pas voulu. Petit truc coincé entre les dents, c'est moyen, quoi. Non, après, je retourne travailler, il faut que j'ai l'air correcté. J'aime brosser les dents. Donc ouais, il fait très 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 chaud. Ce matin, 1 heure de réunion, 2 heures de cours. Demain, 4 heures de réunion le matin. Préparation des la classe pour l'an prochain ensuite. Je sais plus comment on dit. C'est pas préparation des classes que ça s'appelle, mais bon, enfin en gros, on prend les élèves et on les distribue dans chaque classe. Et voilà, ça va être. Ça va être sympa. Pas encore tout ça, mais ouais. Et moi j'ai mis un projet en tête. J'ai
J'en ai tellement, je sais plus par quoi commencer. Bon, déjà, je vais avoir plein de projets, points de croix à ranger, à classer, enfin de patrons. J'en ai récupéré plein. Là, j'ai trouvé une petite mine sur Internet, un site. Alors, le lien ne vient pas de moi. C'est Lovecraft Forever qu'ils avaient mis en lien. Et je cherchais, je sais plus quoi. Je suis tombée sur cette vidéo-là et j'ai dit, ah, d'accord, merci madame. Et là, ce matin, j'ai fait un tour dessus et je me suis dit, oh mon Dieu, l'endroit où fallait pas aller. Et j'ai trouvé des patrons de choses que je voulais absolument broder. Et que j'ai toujours hésité à acheter les kits. Donc, m'empêchera pas d'acheter les kits. Mais au moins, je pourrais suivre avec le patron. Et je suis très, 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 très heureuse de ça. Si vous saviez, je suis bonheur total. Ensuite, bah pendant mon cours avec mes élèves, la dernière heure de cours que j'avais, je reçois un SMS. Votre colis est arrivé au Mondial Relais. Ouais, super, je pourrais jamais aller chercher. Je finissais à 11h55. Le relais colis ferme à 12h30. Et ben j'ai réussi à aller chercher mon colis et était 12h20 à la maison, en sachant que ça roulait pas terrible sur la route parce qu'il y a plein de travaux partout. Avec le passage de la flamme olympique, je vous raconte pas le bazar. Enfin bon, du coup je suis contente. J'ai mon colis, j'ai regardé vite fait. Et je suis trop 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 heureuse. Je suis trop contente. Voilà. La personne qui m'a envoyé colis comprendra. Je suis heureuse. Je peux juste. Voilà. Je suis contente. Je pense que là, vous l'avez compris. J'ai deux vidéos unboxing à vous tourner. Rien à voir avec ce colis-là. Hein. Je vous ferai pas un unboxing sur ce colis-là. Vous verrez l'étoile quand je les broderai. Mais je ne vous ferai pas d'unboxing dessus. Ce serait inapproprié de ma part. Donc je ferai pas. Même si j'aimerais beaucoup partager avec vous ma joie d'avoir reçu cette toile. Mais voilà, il y a des choses on fait, des choses on fait pas. Vous les verrez de toute façon. Alors je sais plus ce que je faisais comme couleur. Hein. Il me semble bien que c'est le 26. Je vais aller voir, c'est ma liaison d'en dessous, plus c'est le 26. Alors, on continue. Oui, alors là, vous ne verrez pas plusieurs couleurs. Hein. Oh, bah, j'ai pris deux fils. Ouais, bah, je vais. De toute façon, j'utiliserai les deux, mais un par un. J'exige de moi-même. Non, j'ai choisi de travailler cette rose couleur par couleur et je vais continuer en couleur par couleur, n'en déplaise à certaines. Enfin, en même temps, tout le monde s'en fout, c'est moi qui décide. Ah ouais, là, ça sent l'énergie du désespoir. Non, je suis pas en forme du tout. Je suis juste au bout de ma vie. Je supporte pas quand c'est pas trop chaud. Mais. Faut que je pense à me sortir un éventail. Bougez pas les amis. Parce que je vais mourir. Voilà. Petit éventail sorti. J'ai réussi à coincer mon fil dans ma lampe au passage. Oui, parce que je suis partie avec mon aiguillet. Hein. J'ai fait 2 mètres, même pour. Mais voilà, il me faudra, il est pas cassé celui-là. Parce que comme c'est un peu les filles m'ont laissé, c'est bon. Ah oh, ouais, je vais kiffer. Je pourrais prendre mon petit ventilateur, hein, mais. Pas déconner quand même. Après, ça fait trop de bruit. Alors, on était là. Non, on va pas y arriver comme ça. C'est la seule chose que j'aime pas. Avec le 14CT, c'est essayer de rentrer mes fils comme ça. Un coup sur deux, ça va pas. Bon, ça veut aussi dire qu'un coup sur deux, ça va. Hein. J'ai chaud. Mais ce soleil, ça fait trop du bien quand même. Mais c'est vrai qu'on a eu trop chaud d'un coup. On passe de 20 à 32 degrés, c'est trop quoi. Mais bon,
Ben, c'est ainsi que va la météo. J'ai l'œil qui pique et je devrais pas frotter. Hein. On est d'accord, il faut pas faire. Faites pas comme moi. J'ai l'œil tout sec. Mais voilà. Là, je vais broder un peu avec vous. Et puis ensuite, je sais pas ce que je vais broder. Je vais broder ça. C'est la certitude. Parce que je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure et demie le temps que je suis à la maison avant de repartir au boulot. Parce qu'il est quelle heure? De toute façon, j'aurai pas le temps de faire une deuxième vidéo. Il est 12h40. Je reprends à 14h45, donc je vais repartir vers 14h, 14h15. J'ai pas besoin d'arriver 3 heures en avance, hein. Ça fait 10 minutes qu'on filme. J'arrive tellement bien à compter. J'ai dit 12h40. Ou en gros, ça fait je devrais finir la vidéo vers 13h30. Un peu avant. 13h25. Ça me laissera du temps pour broder. Mais quelle toile? Ça, c'est une bonne question. Ah, si, je pourrais faire mes carpes. J'ai personne à la maison. C'est le calme absolu. Je vais peut-être pouvoir avancer un peu mes petites carponnettes. Ce serait bien, hein? Fait chaud, hein? Non, ça. Je regardais, je suis désolée, j'ai mis mon doigt devant l'objectif, je regardais que le téléphone ne chauffe pas. En ce moment, je demande un peu trop d'internet, il me pose ça. Enfin, quand je suis au boulot, je veux dire, comme je mets un routeur Wi-Fi et que je télécharge plein de trucs, il faut que j'arrête. Plein de patrons notamment. Je devrais faire autre chose. C'est ça. Ça dure les 2 heures avec ma classe de 5e, après je vous raconte pas. Et c'était surprenant, hein. J'avais que 2 absents ce matin dans ma classe de 5e. En 4e, ils étaient 12. Donc à peu près la moitié de la classe d'absente, normal, quoi. Dans cette classe, il y a toujours eu énormément d'absentéisme. Mais là, non, ils étaient 12. Et 20, 21 dans l'autre. Je sais pas combien ils vont être dans mon autre classe de 5e. Mais bon, je me dis qu'avec un peu de chance, bah, la semaine prochaine, j'aurai plus beaucoup d'élèves. J'ai pas de pince pour mes cheveux ici. Même pas un pic à cheveux, j'ai rien. Je vais aller chercher parce que j'ai trop chaud. Faut vous les rire. Il m'arrive que des trucs aujourd'hui. Je vais pour sortir du bureau. J'ai ma tongue qui se prend dans un truc. Bon, allez, je la laisse sur place. J'ai pas fait 3 pas dans le couloir. Bon, il est pas immense non plus mon couloir. Pour aller jusqu'à la salle de bain, j'ai 2 mètres. Hein. Que là, d'un coup, ça sonne. Facteur qui arrive. J'ai lâché la deuxième tongue au milieu du passage. Allez, tant pis, je m'en fous, je sors pieds nus. Et j'ai été chercher mon colis. J'ai mon colis Fansell qui est arrivé. Il y a de l'unboxing. Alors, la toile que j'ai eue en cadeau, bah ouais, j'ai ouvert quand même. Enfin, je vois. Eh ben j'adore. J'ai hésité à la prendre plusieurs fois. Et je vais kiffer si elle est bien comme elle me semble être. Je vais adorer. Mais on verra ça. On va se faire un petit unboxing. Bon, sachant que surtout le truc, enfin j'ai des trucs. J'ai hâte de filmer. Mais là, clairement, non, je vais pas filmer là. Parce que. Alors, déjà, hein, ça veut dire que je pourrais pas filmer cette toile alors que j'ai vraiment envie de finir cette vidéo qu'on vient à peine d'entamer quand même. On n'est qu'à 15 minutes, même pas. Ensuite, je suis beaucoup trop excitée par la réception parce que j'ai vu dans le colis pour pouvoir ne serait-ce qu'envisager de filmer parce que je vais aller trop vite et je veux pas. Je veux prendre mon temps, je vais m'éclater dessus. Je suis trop contente. Ah non, mais là, c'est Noël. Vous savez le nombre de toiles que je viens de recevoir en 2 colis? Bonheur.
Bonheur, bonheur, bonheur. Voilà. J'ai pas d'autres mots en tête. Je suis heureuse. Voilà. Vous savez tout ce que je pense. Ah non, je suis très très heureuse. Là là. Et puis en fait, là, j'ai un moment pour moi. Comment vous dire, je suis toute seule à la maison. Avec mon petit chien d'amour. Bah oui, je t'oublie pas, mon petit wawa. C'est quoi ça? C'est un sac vide pour la poubelle. Il me servira de sac poubelle. Donc, que disais-je? Oui, c'est la première fois depuis un petit moment que je n'ai pas eu l'occasion de me retrouver seule à la maison et d'avoir du temps pour moi. La semaine dernière, en fait, c'était la semaine des conseils de classe et j'ai pas pu rester longtemps à la maison. J'ai brodé un petit peu, mais j'ai dû repartir assez rapidement parce que j'avais rendez-vous avec la principale adjointe pour finaliser mon conseil de classe. Mais voilà, c'est. Du coup, ça avait été. Et puis le jeudi, je ne passais pas de bonne journée parce que bah, 2 heures d'affilée, les quatrièmes, tout ça pour me libérer le vendredi, c'était sympa, mais c'est épuisant. Et ben là, en fait, j'ai réfléchi, je me suis concertée avec moi-même. Et comme mes quatrièmes ne sont pas nombreux, ben, je leur ai passé un film ce matin et c'était calme, paisible. Et les cinquièmes, ben, on était sur la suite d'Aladin, puisqu'on le regarde en quête de notre séquence plutôt sur les mille et une nuits. Donc on fait une étude de film étape par étape et franchement, topissime. J'aime bien garder des trucs comme ça pour la fin d'année. Ah, puis j'ai bien calculé, hein, parce que ça rentre pile poil. Et je vais pouvoir faire mon étude de film entièrement sur les 2 heures cet après-midi avec la classe chiante de cinquième que j'ai. Donc, ça risque d'être quand même une journée plutôt plaisante pour moi. J'ai reçu 2 colis, j'ai plein de toiles du coup maintenant à vous filmer. Là, j'attends des passe-colis là, en fait, puisque j'ai un colis privé qui va arriver tout à l'heure, pendant la journée ou demain ou plus tard, avec une trousse, une lampe, des crayons et il y a 4 trucs. Je sais plus ce que c'est le quatrième truc. Je sais pas. Mais ouais, je suis très très contente. J'ai plein de petites choses qui arrivent. J'ai de quoi m'occuper là jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, on va se calmer niveau commandant, moi je vous le dis. Non, vraiment. Bah après, c'est pas forcément des commandes chères, mais c'est juste que bah, ça se multiplie, donc c'est pas bien. Il y a plein de trucs aussi dedans. J'ai mon calendrier de l'Avent pour chérie. Je mets des trucs, tout plein de trucs. Je vais pouvoir commencer à lui emballer aussi. Bah d'ailleurs, c'est ça, lundi, il m'envoie en mission papier cadeau à Action. Donc dès que j'ai fini ma surveillance de brevet, je passe à Action chercher du papier. Donc, on a le volet qui s'ouvre, hein, vous inquiétez pas. Mais il va pas rester longtemps ouvert parce qu'après il va trouver qu'il fait trop chaud, donc il va se refermer. Donc on va avoir un petit peu de lumière, mais pas pour longtemps. Mais il m'a fait peur le bougre. Moi j'avais dû vous le dire dans une vidéo l'année dernière, une ou plusieurs. Hein. Vous savez, moi je sais plus ce que je dis, hein, je suis vieille. Là, on a des volets solaires avec capteur de luminosité et chaleur. Donc, ce qui fait que quand il estime qu'il fait trop chaud, il va automatiquement se fermer. Et là, j'ai déverrouillé que celui-ci, parce que quand ils sont fermés, fermés, ils ne bougent pas. Hein. J'avais mis un tout petit peu de lumière avec celui-ci, je l'avais entrouvert et donc du coup. Ça réactive la fonction à chaque fois et bon, c'est très bien, hein, moi j'adore, c'est pratique. Là, bon, le soleil tape plus de ce côté-là et normalement là, il est en train de commencer, il tourne pour taper de l'autre côté de la maison. Mais on va voir, ça se trouve, dans moins de 5 minutes, il sera refermé. Ouais.
Là, c'est une jolie journée, moi je vous dis. Pour le moment, elle se déroule très bien. Oui, là, vous sentez le moment où je déconnecte totalement parce que je suis en extase sur ma toile. Désolée. J'essaye de me soigner, hein, mais j'y arrive pas. J'adore. Ça me plaît toujours autant de broder. Hein. C'est fou, hein, parce que ça fait tellement d'années que je brode. Alors, il y a eu une période où je brodais un petit peu moins. Mais moi, je faisais plus de DP. Et puis finalement, là, j'ai réussi à trouver un équilibre relatif entre mes passions. J'aurais dû boire au passage. Parce que du coup, je brode quand je peux. Je colorie plus le week-end ou quand les filles sont là le soir, enfin, après l'école, je veux dire. Ce soir, ça va être... Oh non, ce soir, ça va être DP. Et j'ai un petit DP aussi dans le salon en ce moment que je fais. Disons que... Alors, la passion du DP n'est pas passée, puisque j'en fais toujours. Mais j'ai eu besoin de prendre du recul après le DP que j'ai eu, qui était un peu catastrophique avec les diamants qui se soulevaient et tout. Ça m'a gavé, quoi. Et puis que je sais... que je n'ai pas le temps de tout faire tout le temps. Donc, il faut faire des choix. Je crois que j'ai tordu mon aiguille. Je suis pas sûre. Ma tempia restera tordue. Manque à baisser. Oh, ça va, on j'essaie de la retordre, mais en fait, chaque fois que je la prends dans la pince, elle vrille. Elle tourne sur elle-même. Oh, bah c'est pas si mal, hein? Oui, alors je fais réparatrice en aiguille à mes heures perdues. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait tout de suite parce que bah là je vais rentrer, je vais coincer mon fil, enfin faire mon point d'arrêt et qu'on va revenir. Allez. Ça veut pas, hein? Voilà. C'est le fait de rentrer le fil, de faire le point d'arrêt qui fait que. Attends, bon, ça va. Et hop, du coup, tac. Sais même plus ce que je vous disais. Ah oui, que j'avais réussi à trouver un certain équilibre entre mes différentes passions et que je faisais un peu quand je pouvais. Alors ça, c'est du chignon artistique que j'aimerais faire, tellement artistique que mes mèches elles retombent. C'est le fameux coiffé décoiffé. Je vous jure. Et ben, les choses se précisent finalement pour nos travaux, enfin se précisent. On a une date de livraison enfin sûre, fiable pour nos portes de garage. Ça, c'est top. Après, bah, faut encore que qu'on voit avec le maçon quand il commence exactement la semaine prochaine. Mais les choses sont en train de s'arranger.
Alors, en fait, le chien s'est mis à souffler. C'est son grand truc. D'un coup, vous regardez, la fille a fait. J'imite très bien. Non, je suis en dessous de la vérité en plus. Je l'ai juste regardé, elle s'est dit, ah non, d'accord, je ne fais plus, désolée, maman, je serai plus. Juré, me répudie pas, maman. C'est à peu près ça. Oh là là là. Non. Non, mais tu veux rester avec moi, tu fais dodo discretos. Sinon, tu peux aller faire dodo dans la chambre. Hein? On va se calmer un peu, jeune fille. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je sais plus. T'as envie d'aller commencer une nouvelle toile. Non, mais ça, en plus, on est une. Non, mais celle que je veux commencer, c'est pour... C'est pas de ma faute, je suis obligée de la commencer, c'est pour un défi. Ouais. Ah, je suis crédible, hein, quand je veux. Oui, bon, d'accord, là, j'y étais pas. Mais, je m'améliore. J'ai mal à l'épaule. Ça allait mieux, puis là, ça a l'air de revenir. Un petit peu mal en réunion ce matin, et puis là, j'ai mal d'un coup, ça... Par moment, ça me lance, et puis ça se calme, et puis ça me relance, et puis ça se calme. Faut dire que je fais pas attention. En ce moment, je n'arrête pas, je fais pas assez attention. Mais déjà, on sent... Enfin, je suis épuisée, mais les choses sont différentes par rapport à la semaine dernière. Je suis plus apaisée. Ça sent la fin. Hein. Et puis... Et voilà, donc voilà. On va réussir à gérer cette fin d'année d'une main de maître. Aujourd'hui, Lilouen, elle est en sortie. Ah, comment ça s'appelle? Elle fait de l'acrobranche le matin et course d'orientation l'après-midi. Sympa. Et c'est jeudi qu'Alouena est en sortie, mais je ne sais plus ce qu'elle va faire. Bon, en gros, ils lui font un sandwich aussi. Mais c'est bien, c'est sympa. Non, c'est Luna qui m'a dit qu'en gros, maintenant, la prochaine fois qu'elle allait réellement travailler, c'était mardi. Pourquoi? Ou c'est Luna qui m'a dit ça, je sais plus. Ben non, Luna, elle a des devoirs pour vendredi. Mais elle a dit que la maîtresse avait dit qu'il n'aurait pas de devoirs la semaine prochaine. Bon, après sa dernière semaine. Donc on verra bien. Moi. Mon fou. C'est pas moi qui l'ai fait les devoirs. Il fait chaud là depuis que le volet s'est ouvert. Bah, je vais peut-être aller lui dire de se fermer. Je reviens. Voilà, c'est en train de se refermer parce que là, non, c'est plus possible, quoi. C'est trop chaud, on va mourir. Bah déjà, rien que le fait qu'il se ferme en partie, ça. Ça casse ce côté chaleur de l'extérieur. Mais ouais, j'aurais même pas dû l'entrouvrir. Voilà. Trop chaud, c'est mort. Après, j'ai pas envie de mettre de ventilateur, là, le petit ventilo. Parce que ça risque de faire du bruit. Il est pas hyper bruyant non plus, mais je voudrais pas faire trop de bruit non plus. Bon déjà, un, parce que je supporte pas le bruit, hein, on va commencer par la base. Et deux, parce que ben, je veux pas que la vidéo devienne désagréable à cause du bruit. Mais quelque chose me dit que je vais encore avoir chaud cet après-midi. Enfin. Duc. Oh. Franchement, je travaillerai pas. Je me poserai dans mon salon avec le ventilateur. Surtout, j'ai l'éventail. Deux, trois petits coups de temps en temps, ça rafraîchit. Mais comme je travaille, ça va être plus compliqué de se poser au frais dans une immense pièce. Moi, je sens moins. Mais
Là, je vous dis que j'ai chaud, mais en réalité, il fait pas chaud dans la maison, il fait très frais, hein. Mais ouais, là, ça va rafraîchir un peu d'avoir coupé, d'avoir refermé le volet. Je sens la différence déjà. Mais cette nuit, la température, elle n'a pas beaucoup baissé en fait, hein. Parce que on a eu chaud, hein. La nuit d'avant, il y a Chéri qui, je sais pas comment il s'est débrouillé, il a réussi à tomber du lit. Non mais, on a un lit beaucoup plus grand qu'avant. Il a réussi à se vautrer. C'est pas moi, moi je dors au bord de mon côté. Sauf que moi je tombe pas, je sais faire. Il a voulu se retourner et puis boum. Tu sais, mais qui s'y fabrique? J'ai un vaguement entendu dans mon sommeil. Mais il fait quoi? Rien, il tombe. Tout va bien. Voilà. Oh, le mieux au frais. Mais c'est fou, hein? Le soleil tapait même pas de ce côté-là. D'autant plus que là, le temps est un peu couvert, donc... Vérifier que j'avais bien remis en route parce que je suis capable de pas remettre moi. Oui, c'est bon, c'est tout. Mais ouais, il fait. La température est tombée d'un coup, c'est cool ça. Problème, c'est que je sais que je vais passer 2 heures dans une salle où il fait une chaleur à crever. Déjà d'habitude il fait chaud dans cette salle. Mais comme là en plus il fait chaud tout court dehors, ça va être horrible. Mais bon, ça va aller. On va gérer, on va s'en sortir. Ça m'a fait rire, les élèves, ils sont rentrés dans la salle ce matin, les cinquièmes. Surtout madame, n'ouvrez pas les volets. Je les ai regardés. Mais à quel moment t'as cru que j'allais ouvrir les volets sur du plein soleil et une chaleur à plus de 30 degrés à 10 h du matin? On a bien regardé, toi. Déjà, ça fait une semaine que je me bats avec eux quasiment. Pas une semaine, depuis le début de la semaine qu'il fait beau. Que je me bats avec eux justement pour ne pas ouvrir les volets quand il y a le soleil qui tape en plein. Non, madame, vous pouvez ouvrir les volets. Non. Et des marques, surtout les ouvrez pas. Tu m'as pris pour une blonde. Parce que si c'est le cas, tu peux retirer tout de suite. Voilà. Bon, sachant que je suis blonde. Hein. Pour ça, je me permets. Ah non, moi je réfléchis. Et puis je pense. Alors, je pense à mon bien-être personnel avant le leur. À savoir que s'il fait trop chaud dans la salle pour moi, pour eux, c'est encore pire. Parce que je supporte très bien. Enfin. J'arrive à supporter mieux que la chaleur, c'est vous dire. Et pourtant, hein, devrais t'habituer, hein. Pour vous dire, la majeure partie de mes élèves, à chaque vacances, me disent, bon, bah, je retourne au bled. Donc, j'ai une majeure partie, on va dire, j'ai 97% de mes élèves qui sont d'origine tunisienne, marocaine, africain, enfin, maghrébin, tout ça, tout ça. Donc, la chaleur, il maîtrise un tout petit peu quand même. Mais visiblement, ils se sont bien acclimatés. Pourtant, ils retournent tout le temps hein, là-bas. Puisque bah, chaque vacances, ils retournent dans la famille, tout ça. Puis ils nous racontent leurs vacances, donc on le sait. Ils prennent des week-ends prolongés, des fois. Alors, sur les ponts du mois de mai cette année, ils se sont pris 4 semaines de vacances tranquilles. En même temps, je vais vous dire. Ils auraient eu tort de se priver. Puisqu'on a eu les 2 semaines de vacances, on a repris pour 2 jours. Ensuite, il y avait le pont de l'Ascension. Donc, oh, ils sont partis. Ils en ont profité du soleil là-bas, puisque nous, il pleuvait tout le temps. Et là, c'est madame fait trop chaud. Ça me fait trop rigoler. Parce qu'en fait, ça qu'on se dit, ouais, fin, et tu te plains. Après, c'est sans doute pas les mêmes chaleurs. C'est ce que je me dis, parce que quand moi j'habitais à La Réunion, ça n'a rien à voir en termes de climat, on ne va pas se le cacher.
Il fait beaucoup plus chaud qu'ici, mais il y avait toujours du vent. Et finalement, la chaleur, elle était beaucoup plus supportable. C'était pas pareil, en fait. Après, il y a une question d'habitude aussi. Et encore, quand il fait chaud dans mon jardin, on a de l'herbe, enfin, je suis dans un petit village, il y a de l'herbe, des arbres partout, c'est très vert, c'est très arboré. Hein. Bah, c'est pas la même chaleur que quand on est au niveau du collège ou la cour. Bah, il y a deux, trois petits carrés d'herbe, il y a un arbre qui pleure tout seul au milieu de la cour, on ne sait même pas pourquoi ils l'ont laissé celui-là. Heureusement qu'ils l'ont laissé, d'ailleurs, celui-là, ça apporte un tout petit peu d'ombre, un tout petit peu, hein. Mais tout le reste, c'est du bitume et de l'asphalte. Ben, ce que je vous dis, moi, c'est. Je suis. Alors, certes, ça demande de l'entretien. Hein, je suis d'accord. Ça fera des emplois en plus. Mais je suis tout à fait pour revenir avec des cours de récré, avec beaucoup plus d'herbes, d'arbres, etc. Parce que, mine de rien, ben, eux aussi, ils ont besoin de. D'herbe, de verdure, de fraîcheur, parce qu'il fait très chaud. Et puis, il n'y a pas d'ombre, en fait. De ce côté-là de la cour, il n'y a jamais d'ombre. Il fait... ça tape sec, hein. En fait, tout ce collège... L'autre collège, franchement, c'est beaucoup mieux fait. C'est beaucoup plus... Ça a été refait récemment, c'est très arboré, tout ça. Mais ce collège-là, il fait... Il fait vieux, décrépit, pas entretenu. Enfin, la moitié des volets sont cassés. Soit ils ne s'ouvrent pas, soit ils ne se ferment pas. Il y a plein de choses qui font que. Il n'est pas accueillant, voilà. C'est pas un collège accueillant, c'est pas. Ça donne pas envie. Et si je vous dis ça, moi, avec mes yeux d'adulte, essayez d'imaginer des enfants qui sont en souffrance à l'école, parce qu'on en a beaucoup pour lesquels bah, l'école n'a aucun sens. Ça fait pas sens chez eux d'aller à l'école. Il y en a, il y a des troisièmes dans mon autre collège, qui sont, donc ils ont eu leurs affectations pour l'an prochain. Et il y en a qui sont restés sans affectation. Et il y en a un notamment, il a dit, enfin le prof principal a appelé le père de l'enfant en question pour le prévenir. Pour lui demander, enfin voilà, pour prévenir et dire que bon, il y aura un rendez-vous, on allait voir ce qu'on allait pouvoir faire, gnagnagna, les trucs habituels, quoi. Et le père dit à mon collègue, bah, je comprends pas. Il se lève tous les matins, il vient à l'école tous les jours. Et pourquoi il n'a pas de son orientation? Ah, mais parce qu'il suffit pas d'être présent, faut aussi travailler. C'est fou, hein? Ben, il suffit pas que tu te lèves et que tu ailles à ton travail pour être payé, faut aussi faire le travail, hein? Ben, c'est pareil, hein, pour nous. Si on a un élève, certes, il est mignon, il vient, il bouge pas, il fait plein de vertes au fond de la salle. C'est bien, il dérange pas, il est toujours présent, tout ça. Mais en fait, il n'acquiert aucune connaissance. Il ne sait, enfin, il va sortir du collège sans savoir faire quoi que ce soit. Je dis pas qu'en sortant du collège, les petits, ils sont aptes à faire quoi que ce soit. Enfin, disons qu'ils sont prêts pour la suite des études. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, avec un DND, un brevet, quoi, avec le brevet, on ne fait rien. Il faut minimum un CAP, un BE. Ah non, BEP, ça existe toujours, je ne sais même pas. Non, si c'est possible, mais un CAP, un BTS, un bac, une licence, enfin, faut quelque chose derrière, hein, avec juste le brevet. Pas grand-chose. Et là, grande discussion avec mes élèves de quatrième d'ailleurs, et des élèves de cinquième aussi, sur le brevet l'an prochain, quand se sont aperçus que ils ne pourraient plus l'avoir avec uniquement le contrôle continu.
Bah oui. Maintenant, il faut avoir aussi l'examen terminal. Ça suffira plus le contrôle continu. Les petits chats. Bon, ils se rendent pas compte. Bon, en fait, si. Ben, pour eux, c'est déjà très difficile ce qu'on leur demande. La base, hein, écouter en classe, travailler, faire ses devoirs. Juste ça. Et pourtant, ils coulent pas sous les devoirs parce qu'on sait très bien que les devoirs dans ce type d'établissement sont pas faits à la maison. Donc, ils coulent pas sous le travail personnel à la maison. Mais le peu qu'ils ont à faire, ils ne le font déjà pas. Donc, et pour eux, c'est difficile. Et... Ouais, j'ai hâte d'être adulte, au moins, je pourrais faire ce que je veux, machin, je serai libre. Ouais. On en reparle dans 10 ans, tu vas voir ce que c'est que la liberté. C'est-à-dire que si t'avais mieux travaillé et moins fait l'idiot au collège, et ben peut-être que t'aurais pu avoir une orientation qui te plaisait par la suite et puis faire un travail qui te plaît. On est sur une génération compliquée. La génération qui suit a l'air un peu mieux. Mais là, on est sur une génération très compliquée, avec beaucoup trop d'écrans. Qui pense qu'il suffit de cliquer à un endroit pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie, mais bah désolé de vous décevoir les enfants, mais ça marche pas comme ça en vrai. En vrai, la vie elle est pas gentille. C'est compliqué la vie en vrai. Mais ils se rendent pas compte. Bah je les aime bien, mais c'est vrai que pour le coup, il y a des choses, c'est un peu plus compliqué, hein. Il chauffe, mais ça va pas trop. Enfin, il est tiède le téléphone. Je vérifie de temps en temps. Quand même. Ce soir, après, je vais le laisser refroidir. Puisque j'irai broder de l'autre côté. Moi, je vous ai dit, j'irai faire mes petites carpes. C'est mon duo avec Kiki. Là, j'ai un peu de points. Comment on dit? Des points de croix tout simplement à faire avant de faire les points spéciaux. Et franchement, ça prend forme hein, cette fleur. J'aurais du mal à la quitter en réalité. Mais je la quitte pour pas longtemps puisque je la retrouve ce soir, donc pas bien grave. J'arrive pas. Voilà. J'ai une poupée qui trône, j'y repense. Parce que j'ai oublié de rentrer un truc, c'est pas grave. J'ai une poupée qui trône sur le siège avant de la voiture, une petite poupée de chiffon rose. Tachou qui l'a pris en partant de la maison. Je lui ai dit, très bien, t'emmènes ta poupée, mais elle reste dans la voiture. Et en fait, elle sort de la voiture pour aller à l'école, on fait 3 mètres, et je m'aperçois qu'elle a la poupée dans sa main. Chut, 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 chut. Donc j'ai mis dans mon sac à main. C'est sa première poupée de siphon. Tout mignon. C'est mignon. Bah, c'est bien, j'aurais. Bon, je vais pas dire que j'aurais fait toute la couleur avec vous parce qu'il nous en reste encore un petit peu là, ici et là. Donc, je pense pas qu'on fera tout ensemble. Mais on aura bien avancé. Et je suis contente. Et donc, après. Ah, j'ai aussi tout le cadre à faire. La question que je me posais, c'est est-ce que je respecte la couleur puisque le cadre est bleu, je crois. 27. Elle est où la couleur 27? Ah, c'est un bleu violet. Ah, si, j'aime. Je respecte. Voilà. Ça fait demander. Ah, je vais respecter, j'aime bien. Je voyais plus
Bois, si, non, mais je voyais plus qui teinte un peu plus vers le bleu. Ah, mais parce que je confondais entre les petits cadres ici et là, vous voyez un peu le orange. Le orange, lui, c'est le 18. Ouais, c'est plus bleu clair. Oh, ça va être joli en vrai tout ça. Ça va être joli tout plein. J'arrive pas à sortir mon aiguille. Allez. Un point. Ouais, je vais pouvoir faire le dernier là avec le fil. Grand. Et on aura fait deux fils ensemble quand même. Comme quoi, quand je suis toute seule, pas interrompue, dit celle qui a été se promener trois fois à peu près, hein. Mais c'est fou, hein, le fait d'avoir refermé le volet. Je dis pourtant, il n'y avait pas le soleil qui tapait de ce côté-là. On est juste passé en isolation classique, dirais-je. Ben, ça fait du bien. Hop, on va reprendre un petit fil. Ma aiguille. Après, si j'étais raisonnable, je resterais ici et je me poserais un petit peu sur la toile du défi d'Alex et Vanessa parce que j'ai pas avancé de ma case dans tout ça. Que je fasse. J'ai juste fait en vidéo la vidéo que vous verrez la semaine prochaine. D'ailleurs, faut que je vous mette en ligne une vidéo pour demain. Je pense que je verrai ça ce soir. J'ai pas envie de laisser l'ordinateur allumé toute l'après-midi alors que je suis pas là. Donc, je pense que je m'occuperai de ça ce soir, de mettre en ligne. Quand je serai rentrée avec les filles. Je ferai ça. J'ai mon épaule qui se bloque par moment, je vous raconte pas. D'un coup, j'ai plus rien. Elle bouge plus. C'est ça qui est un peu pénible. Pourtant, enfin, je fais rien de spécial. Je vous raconte pas comment je vais avoir mal. Ce week-end, faut qu'on range le garage complet. Faut qu'on enlève. Les vélos des enfants, tout ça, bon, ça va faire de la place. Hein. Par contre, faut qu'ils me laissent l'accès au congélateur, les gars. Parce que si j'ai pas d'accès au congélateur, ça va être compliqué dans ma vie. Bon, on verra ça. Et puis quand je dis qu'il faut qu'on range ce week-end, enfin, c'est chez qui fait le qu'on range. Bah pour la réception des portes, c'est mieux qu'il y ait de la place pour les mettre, hein, parce que ça va prendre un peu de place dans le garage. Donc faut qu'on enlève les vélos des enfants. C'est surtout ça, il y a ça et le baby-foot. C'est gentil de nous avoir offert ça, c'est pas comme si on avait la place, mais bon. C'est une petite mamie avec... Laquelle chérie est en relation dans le cadre de son animation jeu de société. Ah, je sais qu'il me gêne. T'as le débarras, rattache, je te le donne. C'est gentil. Mais en fait, là, techniquement, une affiche un peu complète. Hein.
Allez, c'est pas grave. Donc, non, on a deux, trois trucs. Ouais, il y a leur structure de jeu qui fragmente. Hop. Mais ouais. Faut s'occupe de tout ça samedi. Mais... Et puis, il faut que je range le linge et peut-être samedi matin aussi. Gentil chéri. Ce dimanche, il est pas là. Dimanche, il va au repas de fin d'année du club d'échecs. C'est ça, il fallait que je lui demande à quelle heure il part. Donc, tout ce qu'on peut avoir à faire samedi devrait être, enfin, ce week-end doit être fait impérativement samedi. C'est cool. C'est bien, c'est que du coup, ça met pas de stress. Oh, je m'en fous, hein. De toute façon, c'est pas moi qui vais en faire le plus parce que bah, avec mon épaule, je pourrais pas me permettre. Donc, somme toute, moi, ça me traumatise pas plus que ça, dirons-nous. Et puis, si c'est pas trop moche, j'aimerais aussi envisager de tondre la pelouse. Parce qu'à un moment donné, on va avoir des orages vu le temps qu'on a, mais on sait pas quand encore. À la base, on devrait en avoir aujourd'hui et finir sur plus. Sauf que petit à petit, tout se décale, ce qui fait que pour le moment, ben, il pleuvrait à partir de mardi, mercredi, la semaine prochaine, maintenant. Mais j'utilise au conditionnel parce que là, rien n'est moins sûr avec la météo. Donc on verra bien. On va se prendre la tête, hein. De toute façon, on fera avec le temps qu'il fera. Mais pour vous dire que on fait ce qu'on peut, mais là, je peux pas prévoir longtemps à l'avance ce que je vais faire de mon week-end. Mais là, clairement, ouais, il fait chaud. Encore que là, moi, je suis bien, hein. Pour ça, je pense que je vais rester un peu dans mon bureau. Je vais attaquer le fond de ma case Alex et Vanessa puisqu'il ne me reste que ça à faire. Donc on va partir là-dessus. Pour le peu de temps qui me reste. À rester à la maison. On va faire ça. Bon, allez. Sur ce, demain, je vais vous abandonner. Je finirai dans tous les cas ma... Ma petite fleur, j'irai bien d'ici demain. En tout cas, d'ici la fin du week-end, j'aurai tout fait pour un rire compris. Pour un rire, c'est parce qu'il me prend le plus de temps. Il y en a pas, il y en a, hein. Mais ça va pas être non plus catastrophique, quoi. C'est faisable. Ça va prendre un peu de temps. Mais je pense que le faire un après-midi. Calé devant la télé, ça va le faire. Faut juste pas que je le fasse quand il est deux petites à côté parce qu'il faut un minimum de concentration quand même pour se planter. Et puis que les deux petites en ce moment, c'est Chamery et compagnie. Enfin, elles jouent ensemble quoi. Oui, mais elle veut pas le verser. Elle veut pas le verser. Voilà. Mais normalement. Elle devrait être prête pour le floss tube, cette fleur. Bon, du coup, je pense pas, je vais vous le montrer quand même dans le floss tube, sauf si j'arrive à faire paraître la vidéo avant celle du floss tube. Auquel cas, bah, vous la verrez. Mais sinon, je vous la montrerai le mois prochain parce que bah, je vous laisse un petit peu de suspense quand même. Et bah, je verrai si j'arrive à faire ma fleur de juillet. Et à commencer à rattraper les fleurs des autres mois que je n'ai pas encore fait. Bah, déjà, je vais vous dire, si j'ai terminé avant juillet la fleur de juin, je vais attaquer celle de mai. Après, je la mettrai en pause. Le temps de faire celle de juillet, et j'y reviendrai. Et je vais aller à rebours comme ça. Allez, sur ce, ben moi, je vous abandonne. Je vais continuer mon petit chemin vers la fin de cette couleur et je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et ben, j'espère que vous serez content de voir apparaître enfin ce calendrier floral ici. Parce que ben, ça faisait partie des rares événements que je ne faisais pas encore. Je crois que là, ça y est, je fais quasiment tout sur le groupe à vérifier, mais il y a des chances que je fasse tout. J'ai plein d'autres projets en préparation, mais encore une fois, j'aurai jamais le temps de tout faire. Si, ça va être les vacances. Mais comme on part, je pars tout de suite avec les enfants, ça risque d'être un peu plus compliqué en termes de mise en place. Mais bon, je vais vous quitter parce que là, ça va devenir critique. Je vais passer 2 heures en vidéo avec vous. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien!